Tu classes dans la place, je demeure dans la classe. Quand tu classes. Ma belle, la machine morale, c'est la machine de Babetier. Elle veut te foller comme une bougie dans les balais. Sinon, comme ma. C'était quoi la question là? Quand tu look une go pour la first fois, qu'est-ce qui te blase physiquement? Je suis un natif, j'aime les fesses, j'aime les secs. Ouais, quel. Le compétent c'est quoi? Les formes en fait. Dites-moi les gars, quand tu look une baby ou une coco pour la first fois, tu vois non? Qu'est-ce qui te blase? Qu'est-ce qui te mou? Je sais pas, c'est physique et tout, moi je sais pas. Viens nous dire ce que tu penses dans l'espace des commentaires. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Relous 237. Avant de continuer cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, s'il te plaît, abonne-toi. Et n'oublie pas le pouce bleu, c'est très important, le pouce bleu. Alors, sans plus tarder, une dédicace spéciale aux deux premiers commentaires de la dernière vidéo. À partir de maintenant, nous donnons la possibilité à nos followers de nous proposer des thèmes. Si tu as un thème à nous proposer, laisse nos thèmes dans l'espace des commentaires. Nous allons aller rencontrer des personnes pour débattre sur la chose. Allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, bien. Moi, c'est Gaëta J. des Relous 237 et toi? Moi, c'est Ferjina. C'est Stéphane. Moi, c'est Stéphane. Authentique 237, artiste musicien. Machine premier. Machine premier. Artiste musicien. Artiste musicien. Waouh. Collins, alias Zombie. Alias Zombie. C'est un label, c'est pas tu artiste? Un sinon, c'est un sinon. Un sinon. Balleur en fait. Balleur. Zombie. Sur un terrain zombie, ça, je sais pas, ça donne quoi? C'est le mixage. Le mixage. Ça veut dire que sur le terrain là, tu es le sacrifié quoi. Tu es le zombie. Tu gâtes tout. Tu gâtes. Voilà, c'est ce que je cherchais en fait. Ferdinand. Alors j'ai une question pour toi, tu es prêt? Ok. Dis-moi, quand tu look une go pour la first fois, qu'est-ce qui te blase physiquement? Potentiel. La beauté en fait, la beauté, la beauté. La beauté, le visage. La beauté physique en fait. Beauté physique, genre. Oui, il y a le physique, on sait quand tu regardes le physique, mais quelle catégorie de physique? Il y a les boutelés, il y a les minces, il y a les. Je sais pas. Bon, bref. Moi j'aime la femme naturelle. J'ai pas de préférence particulière en fait. Mais en fait, quand il regarde les filles pour la première fois, d'abord ce sont les formes, donc son derrière là. Quand elle a la voix bonne derrière là, donc c'est formé comme une guitare là. Ah, elle a la voix plus un. Oh la main n'est pas encore reste. Bon, maintenant regardez la face là, si c'est pas une face retouchée ou bien c'est une face simple. Parce que si Anne Jazz en suit ça, c'est qu'elle est même préparée à la cuisine, elle sait pas faire ça. Et pour ceux qui connaissent Anne Jazz, c'est juste des câbles là, voilà. Non, c'est un peu que je regarde, donc il y a la bonne forme là. Charisme après beauté qui suit. Waouh, on avait un artiste là, j'espère qu'il y aura un acapella après la question. Pourquoi pas? Ok, alors j'ai une question simple là. Dis-moi, quand tu regardes une go physiquement pour la première fois, qu'est-ce qui te blase? Bah, on va dire le physique parce qu'on ne peut pas voir la partie intérieure. Ouais, justement, quelle partie du physique en fait? Je suis un natif, j'aime les fesses, j'aime les secs. Ben, ne me mets pas déjà les choses là dans la tête. Tu aimes les. Waouh! Ouais, quand même. Si tu n'aimes pas ça, tu veux aimer quoi? Ah, d'accord. Et donc, septième, c'est celle qui est un peu potelée là et c'est tout. Ouais. Avant mais maintenant, on va voir l'intérieur après. Ouais, mais quand c'est gratuit, c'est aussi bizarre. Mais c'est aussi bien, je refuse pas. Merde, combien? Ah, d'accord. Pour moi, je peux parler que c'est le comportement que je cherche. La beauté physique, moi, ça m'importe un peu plus. Ouais, ça m'importe un peu. Disons que tu la vois passer en face là. Tu la regardes, premièrement, en général là. Premièrement, avant même d'arriver à l'intérieur là. Il y a forcément d'abord un truc qui te blase d'abord au départ. Ouais, c'est sa beauté, on pense à ça. Sa beauté. Ouais. Et avec un peu quelques petites formes là, sa forme, le fond et la forme, quelque chose comme ça. Ah, le fond et la forme. Ouais. Donc nous savons que tu ne connais pas encore le fond puisque tu viens là rencontrer. Ah, oui. Donc forcément d'abord la forme. Mais c'est d'abord la forme. Donc quel style de forme alors? Le préférence, c'est celle qui a les fesses. Ouais. Et celle qui a un peu de poids, pas tellement grasse, pas tellement mince. Ah, d'accord, c'est ta préférence. Ah, ouais, ça c'est ma préférence. Ok. C'était quoi la question là? Dis-moi, quand tu regardes une fille, quand tu vois une go pour la première fois, physiquement, qu'est-ce qui te blase? Bon, en fait, premièrement, son comportement. Son comportement. Oui. Deuxièmement, la beauté. La beauté intérieure. Ah, d'accord, mais attends, j'ai dit ceci, tu vois.
physiquement, parce que tu ne la connais pas encore intérieurement, tu l'as vue à distance là, tu as dit mince. Physiquement, il y a forcément des caractéristiques physiques qui t'amènent d'abord chez elle avant d'arriver à l'intérieur. C'est ça qu'on aimerait savoir. Il y a d'abord le charisme, non? Le charisme. Le charisme. Le physique. Le propriétaire, c'est quoi? Les formes, non, en fait. Les formes. Donc, tu aimes plus celles qui sont en forme, bien rondes et tout. Oui. Donc, tu n'aimes pas celles qui sont minces. Mannequins, mais mannequin. Pas, j'aime pas les... celles qui ont. La poitrine, le derrière. Non, celles qui ont le corps trop loin. C'est pas là. Tu aimes celles qui sont bien taillées là. Oui. Mannequins en même temps. Ok, c'est doux. Pourquoi tu aimes cela? C'est comme ça, c'est ma. Non, c'est pas toi qui choisis, c'est comme ça. Est-ce que tu peux laisser ton Instagram pour avoir des followers? Je sais pas. Laisser mon Instagram pour avoir des followers, dans quel sens? Dans les gars qui vont te suivre, non? Si tu as une communauté sur Instagram ou Facebook. Ah, ok. Bah, sur Instagram, c'est Authentique Officiel. Sur YouTube, c'est Authentique Officiel. Sur Facebook, c'est HTK Officiel qui signifie HTK qui signifie authentique. Sur Snapchat, c'est Authentique Officiel. Donc, sur toutes les plateformes, c'est ça. Authentique Officiel. Est-ce que tu peux nous faire un petit acapella? Nous, on est curieux, on a envie de voir de quoi vous êtes capable. Ok, pourquoi pas. Allons-y. Je suis au classe, dans la place, je demeure dans la classe. Quand tu clashes, tu me fais une petite place dans ton clash. Voilà. Tu as dit que tu es artiste musicien, c'est ça, non? Normalement. Et je sais pas, tu t'accapes là pour les fans, hein? Ils sont curieux, ils aimeraient bien entendre quelque chose. Ok. Je m'appelle la machine morale, c'est la machine de Babetier, elle veut te folle comme une bouche dans les balais. Sinon, on m'appelle le tonton, tu t'en veux te folle comme un dinosaure. On décide de toute façon, on veut pas dire, je m'appelle machine morale, c'est le poids. Wow, gars, franchement, je sais pas, franchement, il fallait qu'on les voie à deux maintenant, non? Gars, tu peux venir dans la vidéo, non? Tu peux venir dans la vidéo. Franchement, nous sommes avec des artistes. J'espère que vous avez vous-même confirmé le talent. Ils sont ultra bons, ultra bons. Donc, nous vous invitons à aller voir leur chaîne YouTube. C'est dans la description, le lien de leur chaîne YouTube. Faut les suivre, faut les follow, faut les checker. Franchement, c'est la famille, on se soutient comme on peut. Merci beaucoup, les gars. Voilà, merci beaucoup. C'est merci beaucoup, les gars. Yo, merci pour Machine Première Officielle. Allez tous les follow, c'est du lourd. Je vous jure, c'est du lourd. Moi-même, je confirme. Voilà, merci. Merci. Yo. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est tout. D'accord. Voilà. Comment ça? Ok, merci beaucoup. C'est tout. Bien, merci à vous. D'accord. Oh! Il veut pleuvoir là. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On va aller très vite. Merci d'être resté là jusqu'à la fin. Continuez à vous abonner, continuez de rester nombreux, continuez de follow. Laisse-nous ta réponse dans l'espace des commentaires. Également, propose-nous des thèmes dans l'espace des commentaires. Merci. Ciao. On est ensemble. Maman, je vais plus fréquenter. L'école, ça m'a dépassé. C'est quand le sommeil est bien bon, on commence à me réveiller pour partir à l'école. Pour un succès, pour une succès. Ça demande à mon ami sac à dos. Depuis que je fais le primaire, lui, il fait la classe première. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas passer, ou bien que l'école l'a dépassé.